Bon retour, toujours sur notre édition spéciale de Alain TV avec Noa Suéa, le président du Sénat de la République, Yuri La Tortue. Monsieur le Président, dans le budget, ça, il y a un pile qui est voté par la Chambre députée et la Chambre Sénat. On saute et le site des soleils au bas de trois exemples. Et on dit d'après vous-même, pas gain sur taxation. On assimile à une mauvaise explication que des secteurs tabac à la population. Donc, nous clés sur les. Ou même pas d'augmentation de taxes. Gagner augmentation de taxes dans le sens que bam explique au niveau par exemple de passeport, moi crois que l'État t'a un déficit que l'il fait. Cob l'été prend l'été plus que cob et l'été moins que cob l'été passé à, il vient ajuster. Ça c'est une. Deuxièmement, moi crois que au niveau de pour l'autre exemple, nous avons dit de impôt locatif, par exemple, là, il était 15%, l'État baissé à 20%. Mais au niveau de cigarettes, il était à 12%, l'État montait à 20%. Il avait dit sous cigarettes, il y a des gens qui demandaient pour te mettre à 50%. Donc, dans un premier temps, l'État ajusté certaines taxes. Que le dépense du corps sur yo, donc il vient reprendre le corps. Et il y a d'autres domaines, par exemple, ça me déclare les cigarettes, boissons alcoolisées, l'État augmente la taxe là, mais c'est sur des domaines en général qui, par contre, ont des grosses difficultés, les omettent le souli. Donc, dans ce sens, moi, je crois que l'État récupéré, ça peut être l'été perdu, l'État mettez sous des domaines que on va parler de par exemple les cigarettes là on va parler sur l'alcool là on va parler mais bam don bagaille position par rapport à budget moi même moi crois que l'État récupérer quoi li bon puisque l'État doit faire dépenses mais il y a deux bagailles qui extrêmement important que l'État doit faire position par rapport à budget premièrement comme ça que l'État rentré faut haïtien yo ouais service qui ont parlé pendant l'année. C'est extrêmement important. Moi-même, qui ne pas voté, mais moi-même qui l'a suivre comme sénateur, moi, je vois que c'est extrêmement important que vous avez des services. Que 118 milliards de gourdes, alors, comme qui te gagne déjà, avec 144 milliards, comme vous avez récupéré, dans mettre taxes sur cigarettes dans l'autre bail vinn fait que je dis a faut moun yo wè gen service ça c'est un mais qui on va qui extrêmement important Patrick mal parler là c'est ma position et que si c'est moi Jean moun yo te dit et sénateur la toi dis moi que tu gen possibilité faire budget on va même d'aval insister sur lui l'état mettait 14 milliards de gourdes pour le service de la dette moi penser que n'a payé 14 milliards de gourdes, parmi lesquels 3 milliards de gourdes de Petro-Caribé, alors que l'État, ça a, nous avons enquête, n'a fait, nous connaissons les gens qui prennent comme Petro-Caribé, pour qui ça, l'État, pas arrêter les gens, eh bien, vendre caillou, vendre bien, pour que yo reprennent comme là, et 3 milliards de gourdes, ça a, au lieu d'aller dans 14 milliards de gourdes, que l'État paye Venezuela, l'État a bien moyen pour que l'État paye et 3 milliards de gouttes, l'État a mis dans la route, dans l'électricité, dans l'éducation. Moi-même, moi pense que dans le budget, ça, il faut que l'État doit annoncer pour que l'État va le récupérer comme ça. Yo. Et là, ça, la population est beaucoup plus content du fait que, en plus de l'effort de récupération sur les taxes, en plus de l'effort que vous mettez taxes sur certains domaines, alcool, cigarettes, mais l'État te doit récupérer comme ça. Moi-même, je demande ça, et si vraiment vous avez fait, moi je suis satisfait, je garde à 100%. Mais le fait que vous n'avez pas fait, moi, en même temps, dit que vous n'avez pas arrêté pour faire diffam et dénigrement par rapport à budget, mais il y a un manque dans le fait que moi pensais que c'est extrêmement important que vous récupérez comme ça pour que le cas utile la population. Monsieur La Tortue, qui paye les taxes en Haïti? Normalement, nous sommes au principe de l'impôt.
L'impôt est général. L'impôt ne peut pas être spécifique à un groupe de monde. Normalement, impôt, c'est tout haïtien qui peut payer, que ce soit l'impôt direct ou l'impôt indirect. En Haïti, le système est déclaratif. Ça veut dire que l'impôt indirect, le machin pantalon, le machin soulier, eh bien, tout payer impôt sous lit par la TCA, le ça a tout le monde payé. Mais il y a l'impôt indirect. Il y a l'impôt, excusez, direct, qui c'est l'impôt sur le revenu, qui c'est l'impôt maintenant sur les fortunes. Moins pensé, on a là, où qu'on arrivait que l'État a cherché impôt qui est plus facile là. Alors que moins pensé qu'en Haïti, il y a des grandes familles qui gagnent beaucoup et c'est eux qui payent moins de taxes. Par l'impôt direct. Moi, je pense que tout autant qu'il y a plus comme, par exemple, François Hollande, tu dis, il faut arriver jusqu'à 50% des grandes fortunes. Eh bien, moi, je pense que Mounzaïo, il y a plusieurs façons pour faire évasion fiscale. Je ne dis pas la fraude fiscale, non, mais l'évasion fiscale. C'est-à-dire que, il y a une loi, il y a étudié, et il y a gardé plusieurs façons pour y arriver, éviter de payer taxes là. L'évitement fiscal. Dans un deuxième temps, il y a ça qui fait fraude fiscale, côté où il y a deux livres comptables. Donc, je dis à moi, quoi que, le, au lieu que nous gardions des budgets à nos sens pour nous dire que, écoutez, et pour nous faire des formations, moi, quoi, nous devons garder des budgets pour nous dire, c'est vrai, l'État a droit à récupérer les taxes. Nous devons garder des budgets pour nous dire, c'est vrai, l'État a droit à mettre taxes sur les cigarettes, mais il y a deux bagailles. L'État doit aller des gens qui corrompus pour récupérer quoi, et l'État doit taxer beaucoup plus ces grandes familles qui possèdent beaucoup d'argent dans ce pays. Non, pour qui ça? Et ce sera la justice fiscale. Voilà. Pour qui ça? Tout, Monsieur le Président, l'État par aldeye renforcer institution qui là qui pour collecter l'argent pour lui. On a dit que renforcer les DGI, ça, renforcer les douanes, éliminer qui sont de coulage. Éliminer les questions de franchise qui fait que l'État paye déjà de l'argent. Ça, c'est l'autre domaine. Maintenant, moi, je ne parle pas de taxes. Fomzo, l'on parle de l'État. La question de taxes, c'est l'exécutif. Parlement n'a pas le droit de mettre un grain de taxes au monde. L'exécutif, c'est le seul pouvoir qui est là pour prélever les taxes. Ça me dévelé clair avec moi. Nous sommes parlé nous-mêmes là de, ça me décarrelé, de taux. De perception en Haïti le 14%. Qu'on y a en nous garder rendement fiscal là. Est-ce que dans sa l'état gain la pay aldel là combien de rentrer? Gain monde qui dit 30% seulement l'état rentrer. Donc nous gain pas besoin monter taux de perception. Et puis dans rendement nous arriver récupérer eh bien, au moins 80% de ça que nous devons prendre. Pour le moment, l'État prend 30 à 40% seulement de taxes que nous devons ramasser. Donc, si l'État arrive et l'État a doublé comme il y a, sans pas monter taux de perception. Voilà, ça me parle d'où la présidente. Pour ça, l'État, exécutif, il n'a pas tête de moyens pour la chercher. L'agence a perdu perdre dans le coulage, sous la douane, dans la DGI, coulage dans la frontière. Le monde qui a traverser marchandises en contrebande et c'est des manques à gagner pour l'État, pour que ça, gouvernement, exécutif là, que vous-même pratiquement vous appuyez, puisque vous faites partie de la majorité, pour que ça le parle de l'agence à eux. Ça, c'est tout dans on lutte qui est très longue dans le pays d'Haïti. Moi, je suis dans le budget, ça a mis des corps pour renforcer la DGI. Mais où connaît ça qui est arrivé? Premier bagage qui vous faites dans le pays d'Haïti, sans pile nèg qui toujours gen deux dossiers comptables, deux cahiers comptables, puis commencer pas mettre mes sous yo pour nous criminaliser taxe là oui. Ouais aux États-Unis, sous pas payer taxe c'est criminel. En Haïti il pour ça. Moi même moi mandé comme pas ca présenter loi sur taxe, pour gouvernement présenter une loi pour monde qui pas payer taxe, c'est une criminel, ça c'est un. Deuxièmement, moi crois que avant l'État al derrière frontière côté que pour
éviter contrebande. Avant que l'État allait, moi te ka di, derrière qui gagne deux cahiers comptables là, l'État go effort pour le faire. Parce que pas oublier grand pile nèg dans l'État, nèg la travaille dans l'État dans DGI, c'est les comptables dans l'entreprise et qui lui-même a fait évitement fiscal là. Je dis à gon gros l'ordre pour nous mettre. Et moi-même moi te dit l'offre met l'autre ça au niveau de l'administration publique, moi ouais que yo voulait faire avec OMRH. Mais puis gros l'autre pour l'État, mais il faut l'État qui a protégé frontière. Comment t'as voulu un pays pour l'État pas contrôler frontière? Yon la mission de l'État, c'est protéger la population, contrôler ses frontières, prélever les taxes, établir un environnement adéquat. Eh bien, l'État aujourd'hui a pas de moyens. Patrick, depuis 2006, ou moi-même son monde qui a dit, il faut une armée dans ce pays. L'État a 300 à 400 millions de dollars que l'a perdu sur frontière. Pas sur 2 milliards de dollars environ que nous exportons de marchandises en République dominicaine. Oui. Donc ça veut dire que, aujourd'hui, l'État a côté facilement le cas de Chechel, mais c'est pour l'État, ça pas l'État reste avec, qui pensait que c'est si États-Unis dit pour le faire l'armée, c'est si Washington et la France dit pour le faire, tout n'est pas réfléchi, n'est pas arrivé au pouvoir, il prend pouvoir sous la question de l'armée, peuple a d'accord avec elle, le rivet ne peut pas le faire. Donc, souvent des dirigeants comme ça, ou tous sauf des dirigeants souverains. Et je pense que aujourd'hui, nous avons logique avec le président Jovenel, et le président Jovenel doit qu'il y ait ça, côté que l'armée n'est pas négociable. Parce que, avec l'armée seulement, il y a 300 à 400 millions de dollars qu'on a récupéré sous frontière. Oui, mais nous voyons que de commencer à avancer, le gouvernement commence à avancer, puis qu'on y a le fonds back. Bon, écoutez, moi je pense que le président Jovenel est mon seul patron, c'est le peuple. Et je dis à le peuple à voter parce que l'idée dit, il a fait l'armée. Et que s'il va faire, ce sera un manquement. Vous connaissez à ses promesses électorales. Que l'armée a une mauvaise presse en Haïti. Ou t'es dans l'armée, ou est toute dérive qui t'est gagné, je réflexe ça, fait que je dis à la société a très prudente. Qui a armée qui a une plus mauvaise presse qu'une armée canadienne qui est allée en Éthiopie, qui met botte sous tête nègre et qui bat nègre éthiopien? Qui a armée qui a une plus mauvaise presse qu'une armée américaine qui est allée en Afghanistan et puis qui a mis tout ou ni à battre? Qui a armée qui a une plus mauvaise presse qu'une armée chilienne qui tue 30 000 personnes pendant le coup d'État à Yende? Qui l'armée qui a une plus mauvaise presse qu'une armée au Brésil qui est entrée dans le ghetto et qui tombe tout le monde? Mais partout! L'armée a cette mauvaise presse. Mais il n'y a aucun pays dans le monde qui renvoie l'armée au Haïti. Avec Costa Rica, on l'a, qu'on y a eu retourné avec elle, parce qu'il y aura une police militaire qui semble à l'armée. Donc, cette affaire de mauvaise presse, cette affaire d'armée dans le coup d'État, nous te gagnons au moins en Afrique, mes amis. L'armée, c'est chaque mois qu'on fait coup d'État. Oui. Alors, je dis, parce que l'armée nous te fait partie de un environnement sécuritaire, côté que. États-Unis te dit l'Amérique aux Américains et depuis des gonti semblant gouvernement communiste qui a vin Haïti, yo demandé l'armée mettre la terre. Donc jodi a, il y a une autre réalité. Donc jodi a, pendant que l'autre réalité c'est Dominique Kembe la mel, Jamaïque Kembe la mel, Venezuela Kembe et puis moi-même retirer pas là. Mon cher, c'est ne pas être un dirigeant. Moi quoi que jodi a, moi j'ai tout respect pour les États-Unis, tout respect pour le Mexique, pour la France, mais je suis un dirigeant haïtien et je dois avant tout regarder la constitution haïtienne qui dit que la force publique en Haïti se compose de deux éléments, la police et l'armée. Donc, moi, quoi que je dis à dirigeants, yon grand pile et ouais, que y a fait, dans le sens que yon pas voulu organiser pays. Yon. On pays, on nation, li gen on territoire, li gen moun, li gen on marché, li gen frontière, et li gen responsabilité que l'État ça doit prendre pour faire tout le bail sur marché. Au même pour la remobilisation de l'armée. Et voilà. Je suis pour justement la mise en place d'une armée. Pas la remobilisation de l'ancienne armée, non. La mise en place d'une armée, parce que c'est inscrit dans la Constitution. Donc la mise en place de cette armée passera par la mobilisation de certains officiers et soldats qui eux-mêmes tenant ancienne armée. Mais la mise en place de cette armée va exiger des jeunes qui vont entrer, formation, tout et tout pour que nous avons l'armée qui a assuré la défense du territoire. Vous d'accord avec moi, sénateur La Tortue, l'armée a été démobilisée en 1994. On est qui, en 1994, tu as 35 ans,
Maintenant, je dis qu'elle a été gagnée en termes mathématiques. En 1994, elle a été démobilisée. Moi-même, personnellement, justement, j'étais dans la même, j'ai 24 ans. Ok. J'ai 23 ans. Moi-même, je dis, elle a 49 ans, je ne vais pas retourner dans l'armée. Et ça me rend compte. Mais j'ai 47, 48 ans. Eh bien, je ne vais pas retourner dans l'armée pour opérationnel. Mais on doit retourner dans l'armée pour le staff. Ça me demande, est-ce que vous voulez faire l'armée de nursing home, de maison de retraite? Non. Parce non, que non, non, M. Sayo, mais la réventure, il n'y a pas en état pour aller entrer dans l'armée. Il n'y a aucun monde qui est dans l'armée qui a retourné dans la phase opérationnelle. Là. L'homme de là. Mais il a retourné dans la phase administrative. Il a retourné dans la phase stratégique. Là, côté que lui-même, pas en formation, yo, yo ka rentré pour que yo réorienter l'armée. Mais dans la phase opérationnelle, là, on a un jeune garçon de 18 à 30 ans. Okay, n'a pas causé avec le sénateur de la Tortue, n'a pas pris dernier aspect, n'a pas causé avec lui, après la pause.